beautiful days every night. I just want, need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say goodbye? Goodbye. But et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de vous conseiller les persos que vous pourrez pull lors de l'arc Hades, avec un petit rappel des tomes bleus qu'il faudra sur chaque perso. Sachant que ce ne sont que des conseils, et que la règle du personnage de cœur, forcément si vous avez un personnage de cœur pendant l'arc Hades, vous allez le pull. Eh bien ça ne prendra pas en considération, parce que chacun a son personnage préféré et il est bien normal de vouloir pull sur son personnage préféré. Comme moi, personne ne m'aurait empêché de pull sur Aiolia. Et clairement, je comprends qu'on veuille jouer avec son personnage favori, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute manière, tous les personnages de l'arc Hades sont intéressants. Donc si votre personnage favori se trouve dans l'arc Hades, vous n'aurez pas de souci à le faire rentrer dans une team. Ne vous inquiétez pas. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que le défi Utip est toujours en place. Nous avons dépassé les 2500 pubs, donc si on veut arriver à 5000 vues, va pas falloir relâcher, parce que j'ai remarqué un petit relâchement quand même depuis le début du mois, comparativement au début du mois où ça a augmenté pas mal. Là, ça s'est bien calmé quand même. Donc n'hésitez pas à aller voir des pubs Utip. Également, si vous voulez m'aider, vous pouvez créer un compte sur MyMusicTest et ensuite cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour faire un make et me permettre de rencontrer Dreamcatcher la prochaine fois qu'ils reviendront en France. Et je rappelle que c'est à ce moment-là, si je les rencontre, que je chanterai. Hein, les gens de Twitch, faut arrêter de me dire de chanter avant ça. Je ne chanterai pas avant ça. Voilà. Du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par les persos S et après on parlera des SS. Hein. On va commencer par les persos S. Nous avons donc dans l'arc Hades Ikki GC, si vous voulez focus le PVP, il va falloir le pull. Clairement, il va falloir le pull. C'est un perso qui est extrêmement fort. Hein. On fera une revue au moment où il sortira, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un personnage qui est extrêmement fort et qui attaque l'équipe adverse pour chaque action qui se passe sur le terrain. Donc forcément, il sera à combiner avec des persos tels que Deathmask, tels que Isaac, et pour du heal, parce qu'à chaque fois qu'il va attaquer, il va réduire ses points de vie, et au début, quand il se transforme en Phoenix, il n'a pas beaucoup de points de vie, il vous faudra un Jamian ou un bon healer. Katcha, par exemple, peut aussi faire la job, étant donné que Katcha heal intelligemment, vu que si le personnage est full life, elle va healer celui avec le moins de vie. Et donc, ça sera forcément Ikki GC. Donc, je vous conseille fortement Ikki GC si vous voulez jouer en PVP, et ce n'est pas un personnage non plus ridicule en PVE. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire du PVP, eh bien, il va falloir viser Ikki GC durant l'arc Hades. Pour rappel, si vous voulez un Ikki GC qui est OK, donc qui est jouable, il faut le mettre en 1-1-3. Donc juste son dernier skill en 3. C'est pas énorme au niveau des skill tomes. En gros, ça vous prend 3 skill tomes. Donc c'est pas un personnage qui est très gourmand en termes de skill tomes pour qu'il soit OK, pour qu'il soit jouable. En revanche, si vous voulez le mettre en bon Ikki GC qui tape fort et qui est très bien, il va falloir le mettre en 1-5-4-5. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de skill tome, mais vous aurez un Ikki qui sera vraiment impactant sur la game. En 1-1-1-3, il est déjà jouable, donc c'est pas non plus une mana skill tome. Il va pas vous demander 16 skill tome pour être jouable. Donc honnêtement, Ikki GC est un personnage qui peut être très bien focus durant l'arc Hades. Nous avons ensuite comme personnage Radamantis. Radamantis, lui, sera principalement à focus si vous souhaitez jouer PVE, notamment parce que c'est le personnage le plus puissant contre les boss de Légion et contre les boss uniques, les boss mono-cibles. Donc honnêtement, Radamantis est un très bon personnage PVE. Il est jouable en PVP, mais ça ne sera pas non plus un Ikki GC. Donc honnêtement, merci Shiroa, si vous souhaitez jouer PVE, il va falloir focus Radamant. Radamant, il va faire excessivement de damage à un boss. En revanche, Radamant est un petit peu plus, comment dire,
gourmand en Skiptome. Voilà le mot que je cherchais. Il est un petit peu plus gourmand en Skiptome parce qu'il faut savoir que pour qu'il soit jouable, il faut au moins le mettre en 1, 1, 2, 4. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir 7, 8 Skiptome pour jouer à la Mantis. Donc voilà, c'est assez dur. Et encore là, il ne sera pas au top de sa forme, il ne fera pas le maximum de damage. Pour avoir un bon Radamantis, il faut le mettre en 1, 1, 4, 5. Et donc, des 8 Skiptomes, il faut en rajouter encore 5 et encore 4, donc 9 Skiptomes de plus. Donc, là, il commence à être assez gourmand quand même en, pour un perso qui est principalement PVE. Après, Radamantis peut quand même s'intégrer en PVP. Ce n'est pas non plus aberrant de le voir en PVP. En revanche, il va être principalement PVE. C'est pour ça que si vous êtes un joueur PVE qui n'en a rien à secouer du Galactic Duel, qui n'en a rien à secouer du Jamir, je vous conseille fortement de pull sur Radamantis et de laisser passer les autres. Ça va être votre priorité, Radamantis, si vous êtes un joueur PVE, tout comme IkiGC si vous êtes un joueur PVP. Honnêtement, ça va être le perso PVE qu'il va falloir aller chercher dans l'arc Hades. Nous allons donc poursuivre notre petite review des personnages à focus durant l'Arcades avec la Belle Pandore. La Belle Pandore est simplement le meilleur hit du jeu. Déjà, on a senti une baisse d'utilisation des contrôles avec le savant et une baisse des debuffs avec Shakara Yashiki. Bah, elle vient tout simplement les enterrer. Parce qu'à chaque fois qu'un debuff, un effet, un stun, un contrôle va s'enlever, elle va healer extrêmement fort une personne de son équipe. Mais quand je dis extrêmement fort, c'est vraiment extrêmement fort. Donc, ça en fait d'elle le meilleur heal du jeu. Clairement, pour moi, Pandore est le meilleur heal du jeu. Pandore est mon perso de cœur de l'arc Hades. Alors, j'anticipe déjà les choses qui vont être dites suite à cette vidéo-là et quand on va me voir pull sur Pandore, il est hors de question que je laisse passer Pandore parce que c'est vraiment mon personnage de cœur de l'arc Hades. Donc, je vais aller la chercher. Honnêtement, elle n'est pas à focus. C'est un personnage que vous pouvez laisser passer par rapport aux autres personnages de l'Arcades. Mais elle est puissante en tant que heal, et moi, c'est mon personnage de cœur. Donc j'ai laissé passer Pandore sur la SEA parce que c'était au moment de la sortie de la globale. Il est hors de question que je la laisse passer sur la globale. Donc vous allez me voir pull sur Pandore, c'est clair. Est-ce que je vous conseille de pull dessus par rapport aux autres personnages? Non, clairement pas. Surtout qu'on ne sait pas encore comment ils vont s'aligner. On ne sait pas s'ils vont nous faire souffler entre chaque bannière ou s'ils vont tous nous les enchaîner les uns derrière les autres. Donc clairement, s'il y a un personnage à skip sur l'Arcades, ça serait elle. Pour moi, ça serait elle. Même si c'est un personnage qui est extrêmement fort, je le répète. Elle peut s'intégrer très bien en PVE ou en PVP. En PVE, c'est encore plus simple parce que les contrôles et les debuffs ne sont pas gérés, c'est géré par l'IA. Donc forcément, elle va y en avoir, donc forcément, elle va heal. En PVP, ça peut être plus compliqué parce que les debuffs sont gérés par un joueur qui va faire attention à ce que Pandore ne heal pas toute votre team. Donc ça va être plus compliqué de l'intégrer, mais elle est quand même très bien intégrable dans une équipe PVP, excusez-moi. Au niveau des skiptomes, pour rappel, Pandore, au niveau de ses skiptomes, pour qu'elle soit jouable, il faut la mettre en 1, 1, 3, 3. Donc au final, elle ne coûte que 6 skiptomes. Donc c'est pas énorme. Et après, si on veut la mettre bonne, très bonne et impactante, on est en 1, 1, 4, 5. Donc là, on va pas aller chercher non plus masse skiptomes. Donc c'est aussi une raison pourquoi je ne vais pas m'empêcher de pull sur Pandore, c'est qu'elle ne me coûtera pas très cher en skiptomes. Je vous rappelle qu'avec l'Arcades va s'en venir le temple. Le temple d'Hadès qui va nous permettre de récupérer encore des skiptomes. Et donc pour ça, vous aurez un revenu en plus des skiptomes. Bien que je vous dis aussi que j'ai fait une vidéo, je rappelle, parce qu'on me l'a encore demandé, c'était hier ou avant-hier, comment je fais pour avoir un skiptome par semaine. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo et il va vraiment falloir l'appliquer si vous ne le faisiez pas encore. Parce que c'est vraiment très important de gagner le plus de skiptomes possible. Surtout avec l'Arcades et les personnages gourmands en skiptomes. Donc honnêtement, Pandore, moi je poulerai dessus.
Est-ce que vous pouvez la skipper? Oui, sauf si comme moi c'est votre personnage de cœur de l'Arcades, parce que Pandore elle a trop la classe, donc forcément on a envie de tout le dessus. Ensuite, l'autre personnage est le très très fort Evil Saga. Evil Saga qui pourrait très bien arriver techniquement avant l'Arcades. Techniquement, selon l'histoire, elle aurait pu arriver avant CIAGC. Parce que clairement, Evil Saga apparaît bien avant CIAGC. Donc on peut très bien l'avoir la semaine prochaine comme dans un mois. On ne sait pas quand est-ce qu'il va débarquer ce personnage-là. En revanche, il est excessivement fort. Evil Saga est un personnage principalement PVP et attention, il faudra bien le jouer, surtout si vous ne montez pas au maximum dès le début, parce que sinon il va tuer vos propres personnages en équipe. Oui, on se plaignait des Shiryu, on se plaignait des Mu, on se plaignait de tout ça qui jouait en groupe avec nous. Bah je vous garantis qu'avoir un Evil Saga en groupe qui n'est pas monté, c'est encore plus chiant, parce qu'il va tuer toute votre team. En groupe, c'est magnifique. Et j'en ai vu des Evil Saga qui jouaient avec moi et qui me massacraient la tronche de ma team contre en Epic Ruin par exemple. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc attention, Evil Saga, c'est un personnage qui est gourmand en skill dome et peut-être un des plus gourmands. Il va être au début, il va être jouable en 1-1-3-3. Donc au final, encore une fois, on est sur un perso à 6 skill tomes, donc c'est pas énorme. En revanche, ça peut être fatal. Ça peut être fatal, clairement. Et si vous voulez qu'il soit vraiment bon, il va falloir le passer en 1-3-5-5. Et donc là, il commence à être vraiment gourmand en skill tome. Et pour information, pour être dans le top du top, il faut qu'il soit en 5-5-5-5. Et là, du coup, bah, c'est le personnage le plus gourmand en ce qui concerne les skill tomes. Donc attention. C'est un très bon personnage, principalement PVP. Il ne sera pas très utile en PVE. Donc, si vous êtes joueur PVE, vous pouvez le skipper. Si vous êtes joueur PVP, vous allez avoir un peu plus de mal à le skipper. Très honnêtement, vous allez avoir un petit peu plus de mal à le skipper parce que c'est un personnage qui est très fort. Si vous deviez choisir entre IKIGC et Evil Saga, là, attention. Parce qu'il va y avoir des levées de drapeaux, etc. Ce n'est que mon avis, mais moi personnellement, je choisirais IKIGC. Voilà. Donc, en gros, pour récapituler dans les S, si vous êtes un joueur PVE, il va falloir focus le Radamante. Si vous êtes un joueur PVP, selon moi, il faudra focus le IKIGC. Voilà. Donc, au niveau des S, c'est ça. Maintenant, on va laisser Athéna de côté. Hadès ou Poséidon. Moi, pour moi, Poséidon est plus fort. Poséidon, de toute façon, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, Poséidon est le personnage le plus fort du jeu. Voilà, on va le dire, on va arrêter de dire des bêtises, mais pour moi, Poséidon est le personnage le plus fort du jeu parce qu'il peut tout faire. Hadès est très très bon. Mais il va être majoritairement, encore une fois, un perso PVP, là où Poséidon peut s'adapter à tout. Il peut s'adapter à tout, il peut se combiner à quasiment tout, ce qui n'est pas le cas d'Hadès. Hadès a une particularité, c'est qu'il fait revivre les persos morts. Il a la possibilité de faire revivre les persos morts, et donc, par le fait même, de refaire venir jouer un de vos personnages. En revanche, il est counter par Katia, qui va empêcher justement cette résurrection de Hadès. Moi, si j'avais un perso SS à choisir, ce serait clairement Poséidon plutôt que Hadès. Malheureusement, la sortie de Poséidon étant imminente, je vais devoir le skipper. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je focuserai Hadès en tant que SS. Mais si vous avez les étoiles pour Poséidon quand il va sortir, n'hésitez pas et foncez sur Poséidon qui est un personnage vraiment extrêmement puissant. Attention, Hadès est très fort aussi, il ne faut pas le négliger. Mais si j'avais un choix à faire entre ces deux-là, je préférerais pouler Poséidon que Hadès. Athéna viendra plus tard, mais Athéna est un perso excessivement fort. Par contre, elle coûte très cher en skill tome. Tandis que si on regarde un peu, pour rappel, Poséidon est jouable avec juste un skill de montée, voire deux si vous avez comment il s'appelle, Yoga Pog.
En revanche, Hadès, lui, vous pouvez très bien le jouer en 1-1-1-1. En 1-1-1, Poséidon va être un saga de base, attention, pas un saga avec des skills montés, mais va être un saga de base amélioré. Pourquoi? Parce qu'il va buffer votre équipe. Donc là, pour le coup, ça va être puissant. Si on veut un Hadès correct, on le met en 1-3-2-3. Si on veut un Poséidon correct, on peut le jouer en, par exemple, si je sais pas moi, vous avez Yoga Pog, et ben vous pouvez jouer en 1-3-3-1, par exemple. C'est assez intéressant comme ça. Vous avez la possibilité d'AOE, de mono cible et de reflect damage grâce à votre Yoga Pog et votre Poséidon. Donc au niveau des skitomes, ils se ressemblent assez. J'ai envie de dire, ils se ressemblent beaucoup même. En revanche, Poséidon sera plus polyvalent qu'Hadès. Maintenant, si vous aimez Hadès, et je vous comprends parce qu'il a grave le style, je pense que vous pouvez aller focus Hadès aussi plutôt que Poséidon. Tout dépend encore une fois de ce que vous aimez, de ce que vous recherchez dans le jeu. Si vous vous en foutez du PVP, si vous vous en foutez du PVE, bref, chacun a son envie, chacun a ses persos favoris, et je peux comprendre tout à fait qu'on skippe l'un ou l'autre des personnages. De toute manière, encore une fois, chaque personnage de l'arc Hadès est un personnage intéressant. Donc, vous pouvez vous amuser, si vous avez absolument envie d'avoir Pandore, à skipper Radamant, à skipper Evil Saga et faire du Pandore IQGC. Si vous aimez IQGC, vous pouvez skipper Pandore, skipper Radamant et focus Evil Saga IQGC. Vous pouvez tout faire, c'est ça qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est des personnages qui sont tous très forts. Et forcément, si vous visez le top du Jamir, bah désolé, mais effectivement, faudra pas mal tous aller les chercher. Maintenant, honnêtement, ça va être très compliqué, hein. Le Jamir, plus ça va aller, plus ça va être compliqué, il faut pas se leurrer. Avec le temps, avec un temps avancez, hein, pas tout de suite, hein, vous attendez pas dans un mois, mais avec le temps, ça devrait se réduire progressivement l'écart, parce qu'à un moment donné, on va rattraper les autres versions, donc le rythme de sortie des choses va être ralenti, les cash players, les gros cash players vont être déjà bloqués, parce qu'ils vont déjà avoir mis leur perso au maximum, et donc forcément, vous allez les rattraper petit à petit. Donc au final, à un moment donné, ça peut se réduire cet écart-là, mais clairement, pendant l'Arcadès, ça va être très compliqué parce que chaque perso est fort, peut apporter une chose en PVP, et donc du coup, ça risque d'être assez compliqué de pouvoir suivre ce rythme-là, sauf si, parce que j'en ai parlé avec la personne en charge, vu que j'ai été invité dans le conseil, je leur ai expliqué que là, avec ces IAGC, ça avait vraiment pas été une bonne idée, que les gens ont râlé, que les gens étaient pas contents, etc., etc. Et ils s'en sont aperçus. C'est la première fois, jusqu'à date, elle m'avait toujours dit, on s'en fout, on s'en balèque, clairement. C'est la première fois où elle m'a dit, oui, là, on a compris, merci pour ton retour, on va adapter ça et regarder ça attentivement. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un ralentissement au niveau des sorties? Possiblement. Est-ce que ça va être fait ou est-ce qu'elle a juste dit ça sur le coup? On verra. Mais en tout cas, le message a été passé et les messages qui sont mis sur Facebook pour toutes les personnes qui étaient pas contentes, eh bien, ça a payé parce que ça a attiré leur attention. Et encore une fois, c'est la première fois où, effectivement, ils admettent qu'ils sont allés un peu vite. Ils sont allés un peu vite. Bon, maintenant, on verra ce que ça donne sur l'arc d'Hadès. Mais vous savez maintenant à quoi vous attendre. Vous savez ce que vous devriez pull, ce que vous devriez pas pull, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie de faire dans le jeu. Donc, j'espère que ça vous éclairera un petit peu plus sur tout ça. Sur ce, je vous rappelle qu'il y aura un live ce soir. Si demain, ils nous font une annonce, il y en aura un autre demain. S'ils nous font pas d'annonce, le lundi sera ma journée de congé. Bien entendu. Donc, s'ils nous refont une annonce, on changera peut-être le jour de congé, hein, parce que voilà, il y a un moment donné, à part qu'il y a un jour de congé quand même. Et puis, bah, demain, une prochaine vidéo. Ce soir, normalement, ou demain, je sais pas encore, je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui, bien que ma journée semble un petit peu bientôt finie et un petit peu bien mouvementée. Je ferai la vidéo sur le nouveau jeu.
Maintenant, je sais que la plupart d'entre vous n'en ont pas grand-chose à secouer. Donc voilà, je verrai si j'ai le temps de la faire aujourd'hui ou si je la commencerai demain. Pour information, il y a de très fortes chances que ça soit le nouveau jeu de Sword Art Online. Je ne sais pas encore si ça va être ça ou Crossvoid, mais ça va être un des deux. Ça va être un des deux et je commence à pencher pour Sword Art Online. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de soirée, enfin début de soirée et fin de soirée aussi d'ailleurs, et une excellente fin de week-end. On arrive sur la semaine fatidique, la semaine de course avant Noël, comme tout le monde, hein, moi ça va être la course avant Noël. Donc, bon courage à vous, ceux qui vont travailler demain, bon courage à vous, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, et à ce soir pour le live si vous êtes avec nous sur Twitch. Allez, salut tout le monde!